Allô tout le monde? Nah, that is not good. Wait a minute. Damn, those hair are kind of crazy. Wait a minute. Donc, allô tout le monde, bon retour sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, mon nom est Andrea et bienvenue sur ma chaîne. Donc, je vais arrêter de m'excuser pour le mess ici, mais ça c'est une routine tous les jours. Mon fils qui vient poser ses jouets sur la table, c'est typique. Puis, excusez le bruit de mon AC, mais c'est parce qu'il fait chaud. Puis, je m'en vais me maquiller, donc je vais sûrement avoir ça. Puis, je suis ici, puis je bois mon thé, you know, to get... That waste that we want. Ben, c'est pas juste ça qu'il fait, mais quand même, fallait que je le dise de même. Mais en tout cas, fait que là, c'est ça. Mes enfants sont en train de faire leur sieste, comme je viens de vous le dire, sur Instagram pour ceux qui me suivent. Puis ça, c'est une chose qui est très, très, très rare. Parce que de un, mon garçon ne fait plus ses siestes. Puis en plus, les deux en même temps, c'est genre comme la merveille. Fait que là, je savais pas si rester effouéré, moi aussi, faire le ménage, mais j'en ai fait quand même ce matin. Ou juste essayer de filmer une vidéo de maquillage. Donc, je me suis dit, bon. Tu perds rien à essayer, si c'est laid, tu la poses pas, puis si ça fait quand même du sens, tu peux la poster, you know, ici c'est sans fil. Donc, c'est pour ça que j'ai encore de la crème sur certaines parties de mon visage, parce que c'est une crème, en fait, qu'une fille m'a recommandée. Puis d'ailleurs, merci beaucoup de me l'avoir recommandée. C'est la Dermoxido, puis elle a trouvé ça à Montréal, à la Mondiale. Puis dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça vient apaiser... si tu as un bouton qui est en train de pousser, un bouton blanc ou peu importe, une rougeur, que tu sens que ton bouton va apparaître puis tu viens mettre ça, c'est genre magie, magie, magie. Puis en plus, ça l'a coûté, je pense, 3,50 si je me trompe pas. Donc, yeah, girl. So là, je vais aller prendre une palette quand même assez coloriée pour essayer de faire un look quand même assez colorful comme mon chandail. Puis sur ce, voyons voir comment ça tourne. Et en même temps, laissez-moi en commentaire le genre de vidéo que vous avez envie de voir. J'ai vraiment envie que d'avoir... une certaine connexion avec vous, mais à travers YouTube, parce que j'en ai, genre, en fait, je sais que ça... T'imagines la fille, genre, elle se crée des amis imaginaires, mais croyez-moi, genre, j'ai mes supporteuses sur Instagram qui m'envoient tout le temps plein d'amour, mais j'aimerais ça, comme, m'investir davantage avec vous, surtout sur les réseaux sociaux, parce que c'est ça le but. Et puis, le but aussi, c'est que ça soit en français, parce que, you know, on est au Québec. Puis moi, dans le temps que je comprenais pas trop l'anglais, ben, j'ai regardé des vidéos genre comme en anglais sans rien comprendre, mais moi je vais donner la chance à ces personnes-là qui ne parlent pas anglais puis qui sont au Québec de regarder, you know, des YouTubers québécoises. Puis en plus, Latina! Sur ce, je vais aller chercher la palette que je vais choisir, puis je fais vraiment peur. Hein? Fait que là, j'ai décidé de venir prendre la palette de Jaclyn Hill, sa première palette. Et puis, l'intérieur. Là, j'ai coupé la vidéo parce que je pensais qu'on n'entendait rien parce que j'ai connecté, dans le fond, mon Bluetooth à mon miroir. Puis, je pensais que c'était pas en train de m'enregistrer, mais finalement, oui. Fait que là, je trouvais ça pas de refaire mon intro parce que c'est quelque chose que je ne fais plus. Je fais mes intros live sur le coup, que t'aimes ou que t'aimes pas, puis que j'aime ou que j'aime pas, c'est live que ça se passe. Puis en même temps, je voulais vous parler d'un certain produit que je sais pas si j'ai le droit de le faire, mais je pense que oui parce que je peux en vendre. Mais dans le fond, j'ai commencé les produits Herbalife. Donc, si jamais vous étiez intéressé ou si vous aviez des questions concernant le produit, je suis votre girl pour ça. Mais en même temps, je voulais vous faire part de mon expérience envers les produits parce que là, je pense que je suis quand même assez en mesure de pouvoir en parler. Ça fait comme deux semaines que j'en consomme dans le fond. Puis depuis, j'ai tellement vu un changement à la base, juste comme avec mon niveau de digestion s'améliorer, les ballonnements puis les mal de ventre, it's all gone. Puis, ben, si jamais ça vous intéressait également, laissez-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo concernant les produits que moi, je consomme seulement.
tu sais, je veux pas présenter non plus un produit que je consomme pas. Je voudrais bien présenter quelque chose que je m'y connais dedans. Et puis c'est ça, laissez-moi un commentaire. Puis sur ce, ben c'est, je vais, vous savez déjà, moi je suis myope, j'ai besoin de mon miroir. Puis je vais pas beaucoup parler, sinon it's gonna take forever to get done. Là, j'ai soif. Est-ce que vous me voyez bien comme ça? Est-ce que je devrais mettre peut-être la lumière? Je suis trop contente. Je suis tellement fière d'avoir acheté cette lumière-là, OK? En fait, je l'ai achetée parce que, si vous le savez, mon intention, mon projet est de faire des extensions de cils. Puis, on va pas en parler maintenant. On va en parler sur une autre vidéo ou quand ça sera le temps. Mais bon, vraiment contente d'avoir fait cet achat-là parce que ça m'aide aussi également pour le maquillage. Oh, puis les diamants aussi! Bon, ben, on est déjà dans la vidéo, mais peu importe, je voulais vous faire part de mon nouveau pinceau préféré pour appliquer mon fond de teint parce que si vous le savez ou si vous l'avez remarqué dans mes vidéos, surtout au début, je mettais mon fond de teint souvent avec l'éponge. Mais en fait, ça, c'est le dernier temps, pardon. Mais si je me rappelle les années d'avant, puis maintenant que je réutilise la même technique avec un pinceau, plat, à fond de teint dans le fond. Les miens sont sales en ce moment là. Mais dans le fond, comme ça, genre, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment pas l'éponge. L'éponge, genre, c'est dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse. Mais là, j'ai trouvé ce pinceau, my god, pardon, je m'excuse, de Jaclyn Hill, le JH03, qui venait dans un ensemble de pinceaux depuis, genre, vous savez, je sais pas si je l'ai déjà dit ou pas. Mais moi, j'aime ça avoir un fond de teint quand même assez, pas trop couvrant, mais quand même assez médium. Mais j'aime ça encore qu'on voit mes défauts, genre, fait. Très, 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 très bon. Puis ça prend pas trop de produits. Puis en plus, le poil est doux. Puis je suis juste comme, c'est mon nouveau pinceau préféré. Je sais pas pourquoi j'ai jamais pensé à essayer à le faire avec ça. Mais nouvelle découverte que je vous partage également. Là, je vais venir appliquer du cache-cerne. De cette palette-là, de la NYX. Voyons voir comment ça marche. Parce que c'est pas tous les cache-cernes qui font l'affaire. Parce qu'il y en a qui restent crusty dusty. Puis là, je suis due là, pour laver mes pinceaux parce que ils sont comme tout usés. Puis comme vous le savez, on fait un œil à la fois avec moi. Ok, donc là, mon cache-cerne est appliqué, puis là, je vais aller voir les couleurs. Puis, je sais vraiment pas quoi faire parce que je suis quand même une fille qui reste tout le temps dans les mêmes tons de couleurs, mais j'aimerais ça faire quelque chose de comme hors ma zone de confort, mais je sais pas si je vais être capable. But let's see how it goes, B. Devinez quoi? La garderie de mes enfants, elle est réouverte pour eux. Donc, je crois à partir de la semaine prochaine, je vais les amener. Le désavantage d'être myope. Mais qu'est-ce que c'est ça? La garderie est recommencée. Donc, officiellement, je crois à partir de la semaine prochaine, les amener au moins 2 jours, le temps qu'ils commencent à se réhabituer. Parce que mon garçon, lui, c'est hors de question. Il veut rester à la maison avec maman. Donc, voyons voir comment va se passer la transition pour mon garçon qui est quand même... Non, pas quand même. Il est un fils à maman. La caméra parce que je pense que vous me voyez mieux peut-être si je la mets ici vu que je suis en train de me faire ce côté-là.
je vous montre la palette, mais je vous dis même pas les couleurs que je me suis appliquée. Fait que là, la première couleur que j'étais venue m'appliquer avec un pinceau comme celui-là, c'était ce genre de orangé ici. Puis là, je suis en train de m'appliquer le brun juste ici. Puis voyons voir how it goes. Là, je vais venir prendre ce brun qui est ici. Fait que la date, la première couleur que j'ai appliquée, c'était celui-là. Après ça, je suis venue appliquer le brun qui était juste ici. Puis là, je vais venir appliquer ce brun en essayant de mélanger les deux couleurs pour pas que ça soit trop fond. Il y a une grosse démarcation dans le fond. La question est-ce que je vais pouvoir faire l'autre côté? You can do it, you can do it. Hey, hey. Là, je vais vous montrer. Fait que là, j'allais faire l'autre œil hors caméra. And I will be back, guys. Ok, guys, me voilà de retour. Je vais juste monter mon banc, je me sens trop basse. Ok. Fait que là, je suis allée faire l'autre côté. Puis ça ressemble pas mal à ça. Puis là, ben, je vais continuer à intensifier ça. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que chaque couleur que je me suis appliquée, je vais venir les réappliquer jusqu'à temps que ce soit assez foncé à mon goût. Et puis toujours, toujours très important, les filles, de commencer avec un petit peu. Parce qu'une fois qu'il y en a trop, ben ça s'enlève pas. Fait que c'est ça. Je vais continuer à intensifier ça. Puis sûrement quand je serai rendue niveau fond de teint puis le reste du visage, I will be back with you. Puis on va voir de quoi on jase. Mais en ce moment, je suis à côté des. C'est pas vrai, je suis pas à court d'idées, mais j'ai pas envie de commencer un sujet que je pourrais le faire en vidéo. Mais pour ça, guys, laissez-moi savoir en commentaire. Drop me some ideas, guys. Je suis ouverte d'esprit. Je sais que je veux faire une vidéo avec mon copain, mais par contre, je vous ai déjà dit, si vous voulez une vidéo avec mon copain, je vous lance un autre défi. Ok. Non. Je vais lancer ce défi-là, je pense, sur Instagram. Comme ça, vous allez le voir. Bon, non, mais honnêtement, je pense que j'ai fini avec mes yeux. Fait que là, je vais venir faire le en bas de mon œil également avec les couleurs. Fait que là, guys... Là, je vais terminer mes yeux, je vais compléter mon visage, puis je vous reviens toute changée, toute sexy. C'est ça, j'allais pas me coiffer là pour de vrai. En plus, je reste à la maison. Fait que, et voilà le look final. Tadam! Donc, voici. Attendez. Le maquillage d'aujourd'hui. Mais honnêtement, j'ai l'air d'une autre personne. Genre, je capote. Comme, vous pensez quoi, vous autres? Ah, faut que je tourne ma caméra, je suis pas capable de me filmer comme ça. Non, mais sérieux, guys.
comme, qu'est-ce que vous pensez de ce look-là? Parce que moi, genre, je capote. Puis la fucking différence, je me suis mise aussi des cils comme qui sortent vraiment de ma zone de confort. Parce que dans le fond, moi, avec mes lunettes, je peux pas porter des cils comme ça, là. Mais là, puis là, avec la lumière de dehors, mes cheveux font dur. Bon. Que pensez-vous? En tout cas, je me sens trop belle. Tantôt, je vais aller me prendre des photos. Puis, ben, en espérant que je prenne des belles photos. Puis sur ce, guys, en même temps, je sais pas pour ceux qui me suivent sur Instagram, mais si tu me suivais pas encore sur Instagram, je vous avais demandé si vous voulez que je vous fasse un haul des maillots de bain que je me suis commandé de chez Zafoul. Puis vous m'avez dit oui. Donc, je vais vous les présenter à l'instant. J'ai profité que je me suis maquillée pour être toute cute, cute. Puis, ben, je vous montre ça à l'instant. Donc là, je viens d'essayer, en fait, j'ai envie de vous montrer mon maillot préféré. Donc, je m'en suis commandé 4. Puis parmi les 4, il y en a un qui me fait pas. Puis je pourrais pas vous montrer parce que j'ai aucune de un espèce d'idée comment me l'attacher. Puis de 2, j'ai pris la taille large, puis il me fait pas au niveau des seins. Donc, fait que je pourrais pas essayer celui-là. Fait que déjà là, c'est un peu triste. Mais sinon, honnêtement, il est super élastique. Puis le matériel a l'air comme vraiment pas super. Là, honnêtement, les Zafoul, c'est pas un site comme cher. Mais à date, en ce cas, la qualité de ce maillot, puis de celui qui me fait pas, a l'air comme vraiment pas cher. Fait que là, ça, c'est mon maillot préf. Puis c'est comme, je pourrais l'appeler mon maillot de maman. Donc, il ressemble à ça. Fait que là, on a des petites attaches ici. C'est vraiment un bandeau, un top vraiment simple en arrière. Puis genre, yes. Genre, j'approuve. Je l'adore celui-là. Puis là, ben, il y a ce bikini également que je me suis prise, que je voulais pas montrer, mais que je vais montrer pareil. Dans le fond, l'autre morceau que je vous ai montré, c'est médium. Puis dans le fond, j'ai tout pris des médiums. Fait que là, ça, c'est un autre bikini. Que je pense que l'année passée, les années d'avant, j'aurais jamais porté ça. Mais là, regarde. En mon moment, j'ai eu 2 enfants, puis genre, je suis maintenant, genre, self-confidence, comme, yeah! Qu'est-ce que vous en pensez? Également, laissez-moi en commentaire lequel morceau a été votre préféré. Puis sur ça, je vais également laisser en lien en bas les maillots de bain que je me suis pris si jamais vous voulez les procurer. Mais à date, niveau qualité, tu sais, ça coûte ce que ça vaut. Donc, c'est pas si pire, c'est abordable, puis c'est pas cheapette, là, honnêtement. Puis en plus, je pense que des maillots de bain, on aime ça les changer à chaque année, donc c'est comme pas si grave, là. Puis en dernier, je vous montre mon maillot préféré, puis après, c'est un petit set que j'ai déjà posté une photo sur Instagram. Je vous montre le dernier maillot de bain, qui est aussi mon préféré, donc c'est le 2e préféré parmi ceux que je me suis commandé, mais ça ressemble à ça. Puis, c'est cute. Ça me met hors ma zone de confort. Puis, ben, en dernier, ce petit ensemble que je trouvais genre hypermant cute. Par contre, celui-là, côté matériel, genre comme, tu sens là que c'est vraiment chipette. C'est vraiment plus cheap que les maillots. C'est vraiment rien à voir avec les maillots de bain. Sur ce, Zafoul, c'est 50-50. Parce que, en fait, c'est la troisième fois que je commande avec eux. Puis les deux premières fois que j'avais commandé avec eux, je m'étais pris des maillots de bain One Piece. Puis la taille small ne me fait pas. Donc, medium, ça dépend lequel. Mais comme je vous ai dit, celui qui me fait pas, c'est la taille large. Puis il me fait pas. Fait que je crois pas que je suis grosse, là. Mais c'est tricky comme site, mais ça vaut la peine, comme je vous ai dit. Les maillots, on aime ça les changer à chaque année, là, honnêtement. Puis pour le prix que ça vaut, puis la qualité, genre, c'est OK, là. Par contre, comme je vous ai dit, le linge, ah, si vous pouvez toucher ça, là, c'est hyper, hyper chipette. Puis je suis presque sûre que c'est comme quand même assez transparent un peu, là. Mais, guys, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. De me laisser un petit pouce bleu et puis également vous abonner à mon compte Instagram pour être plus au courant de ma vie.
Et puis, sur ce, je vous laisse en lien les mains que je me suis commandées. Et puis, c'est ça. On se revoit sur une autre vidéo. Bye! What the fuck, guys? Depuis tantôt, genre, je me regarde dans le miroir puis je travaille avec quelque chose de bizarre, mais j'ai même pas fait mes sourcils. C'est pour ça que je me sens bizarre.